Et yo tout le monde, c'est Nio, on se retrouve sur ma chaîne pour une petite vidéo assez courte pour donner un petit peu des news de ce qui se passe en ce moment. Alors déjà je voulais vous remercier pour les retours sur les dernières vidéos puisque ça y est, le dessin est revenu, ça y est, j'en suis très très fier et du coup je suis très content des retours que j'ai eu dessus. C'était donc la série Hazard qui est donc une série de dessins assez particulier puisqu'il s'agit de mettre en scène quatre images prises au hasard justement. Blague, ouais, ouais, qui donc des images choisies par la communauté que vous choisissez en live, puisque la, enfin, surtout le deuxième, le premier c'était pas le cas, mais le deuxième a été réalisé entièrement en live sur ma chaîne sur Gaming Live, et donc ça a pour but de joindre ces quatre images, ces quatre photos prises aléatoirement pour les entremêler, en faire quelque chose d'assez abstrait. On a des images du coup qui ont pas vraiment de rapport et qui sont toutes mélangées. Et je dessine par-dessus en exploitant les couleurs, les formes que j'ai un petit peu modelées moi-même. Et tout ça, ça donne un univers qui est improvisé, ce qui me force à faire des choses que j'aurais pas fait d'ordinaire. C'est-à-dire ça me force à imaginer des plans ou des scènes un peu différentes de ce que je fais d'habitude. Et du coup, ça a donné donc Hazard 1 et Hazard 2, que vous pouvez voir ici et ici. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et sinon, je voulais un petit peu vous parler de ce qui va arriver après. Donc, bah, de toute façon, ça va être encore du hasard. Hasard va continuer. Le 3, je vais essayer de le faire bientôt. Je sais pas encore trop quand. Le boulot me prend toujours pas mal de temps. Mais j'essaye de réserver un petit peu plus de temps, justement, pour le dessin. Ensuite, je voulais vous parler aussi des conventions, un petit peu, puisqu'il y en a pas mal en ce moment et on est un peu paumé. Et j'en ai pas fait pendant un petit moment. Et je devais en faire plein, là en début d'année, je les ai pas faites, c'était assez compliqué. Mais là vous allez pouvoir me retrouver à la Cavicon à Nantes. Donc c'est les 25 et 26 avril 2015. Voilà, il y aura plein de jolis monde. Et vous pourrez me retrouver là-bas les deux jours en dédicace. Vous pourrez me retrouver probablement, alors je sais pas encore si je serai en tant qu'invité ou pas, mais en tout cas je serai là-bas. Ce sera la Neocast à Strasbourg les 16 et 17 mai 2015. Et il y a aussi d'autres conventions qui arrivent, à savoir Video City à Paris. Le problème c'est que ça tombe en même temps que la Japan Addict. Et donc je sais pas trop laquelle choisir, parce que du coup c'est soit je dédicace, et j'en ai très envie, sur les genoux de Norman, Cyprien et Squeezie, soit aux côtés de mes grands amis strasbourgeois que j'aime toujours autant. Mais bon, ça je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux sociaux, etc. Dans tous les cas, on se retrouve sur à la Cavicon à Nantes et à Neocast, puisque je serai dans le coin, voilà. Sinon, bah, en ce moment, vous pouvez toujours me trouver sur Gaming Live le dimanche soir avec l'émission Discovery qui parle un petit peu de jeu de l'espace, etc. Vous pouvez m'en trouver, il y aura des liens dans la description. Et sinon, de temps en temps, on fait des lives un petit peu event sur Gaming Live, où en fait, on va jouer à un jeu qui sort, ou quelque chose comme ça, ou un gros événement. Et de temps en temps, je dessine, en fait, à la tablette, pendant l'émission. Vous avez pu le voir sur Bloodborne, à la sortie de Bloodborne, avec Mister MV, Zerator et GE2, on a fait un gros live, où en fait, je dessinais pendant ce temps sur ma tablette. Et donc, vous avez la VOD juste là. Et donc, le dessin qui est juste là. Et sinon, en tout cas, bah, j'espère que vous, ça va de votre côté. J'espère vous retrouver très bientôt, que ce soit en convention, en live ou sur YouTube. Merci encore d'être de plus en plus nombreux, puisqu'on a passé les 10 000 quand même, et que c'est pas un petit chiffre anodin. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était très rapide, mais je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Sure.